PMU, partenaire officiel du Racing, vous présente les réactions d'après-match. On est en 16e, c'est le principal. Après, sur la manière, il y a beaucoup de choses à voir, notamment en première mi-temps où on a plus fait un match amical qu'un match de coupe. Il faut aussi dire que l'adversaire avait de la qualité et lui, dès les premières secondes, était là pour se qualifier alors que nous, on n'y était pas. On a bien réagi en seconde mi-temps où on égalise, on passe devant et puis après, on prend ce but à la 82e qui nous envoie aux prolongations. Mais voilà, on est allé, on a puisé au fond de nous-mêmes pour aller chercher ce troisième but et se qualifier. Et tout n'a pas été parfait, mais bon, il y a des équipes qui sont passées à la trappe, qui ont des équipes qui étaient très inférieures. Nous, ce soir, on a eu du mal, mais le principal, c'est qu'on soit en 16e. D'abord, c'est la qualification, parce que c'est le plus important dans un match de coupe. Le plus important, c'est de se qualifier et passer au prochain tour. Après, c'est clair que le match a été compliqué. Première mi-temps, pas bonne. On a réussi à faire une meilleure deuxième mi-temps, mais on arrive à marquer les deux buts. Mais c'est vrai qu'on se fait égaliser à 2 minutes de la fin et c'est vraiment dommage. On va enchaîner Nîmes vendredi, Sochaux lundi. Après, il y a Brest, il y a de nouveau la Coupe de France et Orléans. Ça fait énormément de matchs, mais bon, on est content d'être en 16e. Il va falloir bien récupérer, parce que ça a beaucoup couru. Mais voilà, je pense qu'avec la qualif, la fatigue, elle s'élimine aussi plus facilement. Après, on va bien faire les choses avec les soins, les choses comme ça pour bien récupérer. Donc non, normalement, il y aura pas de souci. Après, on a un effectif aussi conséquent. Donc non, il n'y aura aucun souci. Le plus important, c'était de se qualifier. Et maintenant, on va aborder sereinement Nîmes, qui va être un gros match et dont on espère ramener quelque chose de là-bas. Nous, ce qui est important aussi, c'est le championnat. Aujourd'hui, la Coupe de France, on va la mettre de côté. On a 3 matchs très difficiles. Il ne faut pas oublier qu'on est 15e à 4 points du barragiste. Donc, on ne peut pas se permettre de penser à la Coupe et laisser les matchs de côté. Donc, il est important de se replonger dès demain dans le déplacement à Nîmes. Et puis Sochaux qui va arriver 2 jours après. Donc voilà, l'important, c'est ce match de Nîmes. Et puis Saint-Brieuc, on y pensera au moment venu.